Bonjour, bonjour poisson. Eh bien, on va parler de votre mois de janvier 2022 pour une année 6. Une année du devoir, des responsabilités, mais aussi une année de créativité, de fécondité avec ce 6 qui est le ventre, qui est la recherche du bien-être aussi. Une année de passion, hein, que cette année 2022. Une année où dans ce monde en mutation, il va falloir chercher sa place, son équilibre, faire son cheminement, je dirais, dans l'indépendance et dans la recherche du bien-être de soi et des autres, de soi avec les autres. Alors, on va voir avec l'oracle des harmoniques une carte. Voilà, vous avez un éventail des cartes de l'oracle des harmoniques. On va prendre une carte pour vous, poisson, ascendant poisson, qui avait votre lune en poisson. Puis nous verrons avec le petit le Normand. Et puis nous verrons si avec mes deux oracles, Smooth Love et Love in Code, on va parler de général, de travail, de sentimental. On va parler un peu de plusieurs choses, je l'espère, pour vous, poissons. Je vous invite à vous abonner. Les oracles de Brigitte, c'est très important pour le référencement. Je vous en remercie. À mettre des pouces, à partager et à commenter. Alors, on va voir prendre une carte tout de suite, une carte tout de suite pour avoir un message pour ce mois de janvier 2022. Sachant que je vais faire aussi les années personnelles pour la numérologie avec la manière de calculer votre année personnelle parallèlement. Je vous invite aussi à aller voir ces années lorsqu'elles seront en ligne. Alors, allez, on va prendre celle-ci. Qu'est-ce qu'elle est? Le messager. Le messager, le messager. Et on va voir ce que nous dit ce messager. Là, on est peut-être dans les échanges et la communication avec le messager. Hein, on va voir ceci. Je vais regarder dans le livre des harmoniques ce qu'il est dit sur le messager. Échanger, communiquer, aller vers les bonnes personnes, les réponses à vos questions abondent. Alors pour les poissons, eh bien, c'est un message qui va être déposé pour vous à terre. Voilà, on voit un messager qui dépose un message à terre, un message clair, des réponses à vos questions. Si vous posez des questions, vous risqueriez. En tout cas, je vous le souhaite de trouver des réponses en ce mois de janvier pour commencer cette année 6. Et on vous dit demandez, demandez, et vous recevrez des réponses. Alors, c'est le principe de la communication, des échanges, la diffusion des informations. Et alors, travailler sur la voix, la parole, respirer, hein, peut-être éclaircissez-vous la voix en chantant, je ne sais pas, faites des méditations sur le chakra de la gorge, pourquoi pas. Et c'est une carte, cet arcane-là de l'oracle des harmoniques correspond à la tempérance dans le tarot de Marseille, dont la tempérance, ce sont les bons échanges, les échanges fluides. Alors, eh bien, on vous demande, il y a une question là, pour qui vous interroge, allez-vous vers les autres, êtes-vous dans la communication? Voilà, voilà, êtes-vous dans la communication? Alors je vais garder cette carte qui est très très belle pour vous poissons, ascendant poisson, qui avait la lune en poisson, et je vais voir tout de suite avec le petit le Normand, hein, on va voir avec le petit le Normand, on va voir le petit le Normand, quels sont les messages, on va voir tout de suite de façon général, hein. Voilà quels sont les premiers messages qui nous sont donnés pour vous poissons en ce mois de janvier 2022 pour débuter cette belle année 6. Une année pas facile, hein, mais bon. Alors on pourrait parler de transformation, mais aussi de vigilance par rapport à des personnes. Hein. Hein, mais il y a une idée d'élévation, de transformation avec ce serpent qui est là. Je vais prendre plusieurs cartes pour. Voilà, alors une autre carte. Allez, cette carte. Cette carte et encore une carte. Et on va voir ces cartes ensemble pour voir ce qu'elles nous disent. Alors, le serpent, la lune, explorer des territoires inconnus. On part en voyage, en bateau. Hein, voilà, la tour, ça représente l'ego, mais ça représente aussi une prise de hauteur. Hein, et puis, ce deuil qui parle de transformation aussi, de changement. Et on va voir cela. Alors, c'est une. J'ai l'impression que c'est quand même un début d'année important. Hein. Alors le serpent, eh bien n'ayez pas peur du serpent, hein, bien sûr on pourrait parler d'être vigilant, ça pourrait être une carte négative, mais bon, moi je vois dans ce serpent peut-être de la dualité, de la réflexion, des blessures peut-être, avec ce deuil qui est là, des blessures qui remontent peut-être à un passé plus ou moins loin, hein. Des blessures, ça peut être aussi des. Bon, on parlera plus avant, après du sentimental, mais il y a des blessures là. Alors, est-ce que ces blessures doivent être.
en lien avec cette communication peut-être, où on vous invite peut-être à travailler en vous pour savoir comment trouver une solution pour guérir de ces blessures, peut-être communiquer avec les personnes qui vous ont blessé, pourquoi, qui vous ont trompé hein, peut-être. Il y a cette lune qui parle de voyage, de chercher des réponses. On est dans l'intuition quand même. Les réponses, vous pourriez les trouver en vous, hein, parce que la lune, c'est des intuitions, c'est la féminité, c'est la créativité, c'est un plongeon aussi en soi-même. C'est aussi l'idée de vouloir chercher, ne pas être, je dirais plutôt, oui, alors il y a l'idée de voyage, d'aller vers des territoires inconnus, mais là on pourrait parler par rapport aux trahisons et aux blessures, il y aurait peut-être l'idée d'ennemis cachés, voilà, de déception en tout cas par rapport à votre entourage peut-être également. Hein. Il y a une idée là de risque de s'enfermer. Mais en tout cas, on pourrait parler quand même avec ce deuil, ce serait la fin. Ce serait la fin des blessures. Si vous faites un travail sur vos blessures, sur vos souffrances, avec ce messager qui vous invite à communiquer avec vous, mais aussi à communiquer avec les autres et aller vers les autres. Alors le bateau, bon, ça pourrait être le voyage, mais on est aussi dans l'idée d'un bateau qui est perdu peut-être, qui ne trouve pas son chemin, hein. Il y a une carte bien sûr de mouvement, de changement, vous êtes invité à évoluer, à changer, mais il y a aussi l'idée peut-être de chercher la direction, de chercher comme avec l'étoile, avec la lune, le moyen d'être guidé dans la nuit pour trouver le bon port, hein, pour trouver un port d'attache, un nouveau port d'attache peut-être si vous êtes en changement, si vous voulez aller vers autre chose. Alors bien sûr il y a l'idée de voyage, de transformation, là aussi d'aller plus loin, d'aller ailleurs, pourquoi pas, de terminer un cycle pour partir ailleurs, vivre ailleurs, voyager ailleurs, rencontrer d'autres personnes, hein, voyez, il y a cette idée de mouvement. Et en tout cas on est aussi dans l'idée que vis-à-vis de vos souffrances, de cette problématique qui est là, de vos difficultés, bien il y a l'idée avec la lune et le bateau, bien peut-être de prendre de la distance vis-à-vis de la situation qui vous préoccupe, mais pas prendre de la distance, et on le voit avec la tour, c'est prendre de la hauteur pour pouvoir trouver des solutions et trouver eh bien un autre cycle, un autre avenir, une autre chose, partir vers quelque chose de nouveau, parce qu'il y a quelque chose qui se termine quand même avec le serpent et le deuil, il y a une fin de cycle qui est là, qui est indéniable. Hein, n'oubliez pas cette communication. Allez vers les autres, peut-être sortez aussi de votre tour d'ivoire, de votre protection, communiquer, partager peut-être, partager bien sûr avec les bonnes personnes, restez toujours attentif quand même, parce qu'il y a une idée quand même, vous êtes un peu attentif et vous êtes prudent quand même, vous êtes même méfiant avec la lune, le bateau et la tour, vous vous méfiez de votre entourage, peut-être de votre entourage professionnel ou personnel, et il y a l'idée quand même d'un risque d'enfermement. Alors ne vous enfermez pas dans une prison d'ivoire pour vous protéger, il y a ce messager qui vous invite à la communication, et on va voir maintenant encore une fois, un petit peu, avec le petit le nom, ce que l'on pourrait dire peut-être par rapport à vos projets, vos activités, votre travail pour vos poissons en ce mois de janvier. Et je vais battre les cartes et je vais voir ce que on pourrait nous dire pour vos poissons. Allez, on va voir un petit peu les projets, le travail, ce que vous voulez réaliser. Comment communiquer peut-être justement, parce qu'il y a cette idée de communication. Alors, je vais prendre 5 cartes. Le renard, ça c'est l'intelligence. Allez, on va voir les cartes. Je vais prendre encore 2 cartes. Alors, on pourrait dire que bien, il faut passer par l'intelligence pour communiquer, un peu la ruse, hein, se méfier. Il y a toujours l'idée du renard aussi qui regarde et qui observe avant de passer à l'action. Là, on est dans le travail, vos projets, la communication. Il y a encore quelque chose d'idée, quelque chose qui se termine, d'une souffrance. On est quand même avec le deuil et le fouet qui parlent de difficultés, mais en même temps, il y a les souris qui parlent d'argent. Et avec le soleil, on pourrait dire que peut-être si vous avez des difficultés financières comme ça, premièrement, je pourrais dire qu'il y aurait une fin de difficultés financières avec ce soleil qui pourrait vous apporter de nouvelles choses. Alors, on va voir un petit peu ces cartes. Le renard, eh bien, qu'est-ce qu'il nous dit le renard avec les souris? Peut-être faites attention à votre argent aussi, hein. Ne pas être trop dispendieux, parce que les souris, c'est quand même les finances.
Faites attention aussi à vos finances, dans le sens justement que le renard pourrait être quelqu'un d'extérieur qui pourrait en vouloir à vos finances, en tout cas abuser de vous sur le plan de vos finances. Alors il y a les souris, il y a quand même une idée de bourreau à victime, et il y a un dominant, un dominé. Hein. Soyez prudent concernant vos travails, vos activités, vos projets. Ne parlez peut-être pas trop de vos projets, ne divulguez pas peut-être trop vos plans, parce que là il y a quand même de la ruse et de la méfiance. On pourrait vous spolier, vous voler. Soyez prudent. Misez sur une bonne communication. Faites attention à qui vous communiquez vos projets. Hein. Il y a quand même cette idée là aussi de souffrance, de maltraitance. Vous vous sentez perdu. Hein. Il y a encore cette idée de. Alors il y a ce soleil heureusement qui est là, hein, qui apporte quand même un bel éclairage. Mais il y a quand même une maltraitance aussi dans vos activités. Alors est-ce que parce que bon, ben ce que vous faites ne marche pas, ne fonctionne pas, hein, vous avez l'impression de vous battre contre vents et marées et vous pensez que bien il y a quelque chose qui vous empêche d'avancer dans vos projets quels qu'ils soient. Et il y a quand même bien quelque chose qui doit se finir. En tout cas, peut-être miser sur ce renard s'il peut vous représenter pour être intelligent, pour en finir avec tout ce qui ne vous convient pas. Hein, abandonner peut-être les personnes avec qui vous avez préparé des projets, peut-être un travail qui ne vous convient pas. Il y a quelque chose de toute façon qui va se terminer parce que vous êtes en souffrance. N'oubliez pas ce messager, de vous poser les bonnes questions. Avec qui dois-je communiquer? Quel est le message que je dois faire passer? Hein, comment me montrer, hein, sous mon meilleur jour, mais en gardant quand même mes distances? Il y a ce soleil qui est là quand même pour éclairer un peu, heureusement, cette scène-là, qui est un peu... je dirais presque conflictuel avec vous, conflictuel avec les autres. Et ce soleil, quand même, il parle de succès, de réussite. Quand le soleil est ça, il y a l'idée d'une énergie qui va reprendre la main presque sur les difficultés et les souffrances. Et heureusement, parce qu'il y a quand même des choses à laisser derrière vous, je dirais. Hein, il y a des choses à laisser derrière vous. Sur le plan financier, si vous avez vécu des difficultés financières, si on vous a trahi là-dessus, hein, si vous en voulez, ou en tout cas, si on a abusé de vous, eh bien, il y a quand même la fin des soucis sur le plan financier. Vous pourriez rentrer dans un meilleur cycle, je pourrais dire. Et peut-être, eh bien, grâce à vos efforts, vous allez eh bien, réussir à dépasser tout cela. Hein. Il y a une idée quand même de choses qui pourraient se développer, une reconnaissance professionnelle, une reconnaissance dans votre lieu de travail, peut-être parce que vous allez travailler sur la communication, une communication différente, et on a quand même quelque chose qui pourrait se terminer justement dans cette souffrance qui est montrée là par le deuil et le fouet. Une souffrance, eh bien, peut-être un harcèlement, pourquoi pas pour certaines, sur votre lieu de travail. À vous de vous poser les bonnes questions, hein. Que dois-je faire, vers quoi dois-je aller? De toute façon, il y aura un renouveau positif, parce que ce deuil indique une fin de cycle pour un renouveau positif avec le soleil, de toute façon. Là, c'est les épreuves de la vie, là. Les épreuves de la vie dans vos activités, votre travail. Il va y avoir comme un retournement de situation qui va faire que vous allez avoir une réussite, une reconnaissance. Peut-être parce que dans votre travail où vous avez à communiquer, vous allez communiquer différemment, vous montrer différemment, engager de nouvelles avancées, voyez, parce que ce fouet, il parle quand même d'une situation, d'une souffrance à libérer. Hein. Il y a quelque chose qui va se libérer. Hein. Vous allez passer à quelque chose de plus ensoleillé, de meilleur. Vous avez peut-être, encore une fois, une idée de quelque chose qui est attaché, comme attaché, chevillé au corps, de souffrance, de maltraitance et de difficulté à vous réaliser. Hein. Mais ça pourrait être la fin de la période maigre sur le plan financier de vos projets et une réalisation qui pourrait se faire. Ce serait de toute façon la fin des problèmes, la fin des échecs et la fin des souffrances là aussi dans vos projets et votre travail. Et je vais prendre encore les cartes pour voir les messages qui peuvent nous être donnés pour vos poissons, ascendant poissons, qui avaient la lune en poissons. N'oubliez pas le messager, la communication, comment communiquer, comment vous montrer, peut-être si vous avez besoin de communiquer pour montrer votre travail, vos projets. Voilà, il y a une idée vraiment d'être dans cette respiration aussi, peut-être de sortir d'une souffrance et peut-être travailler aussi sur des exercices de respiration, hein, de travailler, je le redis encore, votre chakra de la gorge, faire des méditations, hein, pour pouvoir justement libérer la parole, libérer ce souffle, cette respiration qui vous permettra de réussir dans vos projets quels qu'ils soient. Il y a quand même quelque chose qui va se transformer pour aller vers le meilleur. Alors je prends cette carte qui a sauté et je vais voir encore d'autres cartes pour voir s'il y a des messages justement.
Allez, je vais prendre encore une carte. Voilà, on va refaire pareil, on va prendre 5 cartes. Avant de voir le côté sentimental, relationnel, affectif. Alors, le fouet qui revient, hein, il y a quand même des souffrances à libérer. Hein. Voilà, le cœur. Ouais, vraiment, on est dans une fin de cycle. Dans un, vraiment, un ver, entre le fouet et la croix, bien, c'est vraiment quelque chose qui se termine. Hein. Est-ce une communication hein, qui va faire que vous allez être libéré? On peut voir la lettre et le messager bien de la communication, des échanges. Est-ce des échanges relationnels avec ce cœur? L'ancrage, on va voir tout cela. Hein. Ce fouet, c'est encore la maltraitance. Hein. Y a beaucoup de souffrance à libérer, je dirais. Peut-être à libérer par la parole, hein, avec ce messager. Osez dire votre souffrance, peut-être. Hein, y a beaucoup de souffrance, de violence intérieure à libérer. Des cicatrices là, qui demandent à être libérées également. Il y a toujours la... ça peut être une souffrance de domination sur le plan affectif, relationnel, sentimental, peut-être dans votre couple, mais aussi dans vos partenariats, vos collègues de travail, votre vie en général. Hein. Une souffrance qui sera libérée par la parole, hein, par la communication. Hein. Ouais. Il y a vraiment le... Cette lettre, ça pourrait être aussi une lettre qui arrive après peut-être un divorce. Alors, s'il y a le fouet, le cœur et la lettre, peut-être une décision administrative concernant une séparation, un divorce, peut-être. Un rappel, hein. Ou des rappels concernant ou bien des règlements de situation, quelle qu'elle soit, que ce soit sur le plan financier ou affectif. Il y a vraiment des difficultés, là, hein. Quelque chose dont on a du mal à se défaire, pourtant le chemin est là pour passer à autre chose. Est-ce cette lettre qui va vous libérer de souffrance? On vous invite avec cet ancrage peut-être à trouver le moyen justement de vous ancrer pour trouver la force, pour voir justement, trouver des solutions. L'ancrage normalement avec le cœur, ce serait une fidélité dans une union, dans une relation solide normalement. Mais il y a quand même des difficultés, il y a un renoncement à faire. Peut-être que vous êtes attaché encore à une relation dans laquelle vous êtes en souffrance, une séparation, peut-être qui est allée devant la justice, et pour certains, bien, il y a une route à preuve. Il y a des difficultés, mais il y a quelque chose à lâcher prise, à laisser derrière soi, à se libérer justement pour trouver des solutions. Peut-être que les solutions viendront de l'extérieur, hein, vous obligeront à prendre une décision avec cette lettre-là, qui serait une lettre qui vous inviterait bien à faire un choix. Mais de toute façon, il y a quand même des choses qui doivent se terminer. Alors bien sûr, ça peut ne pas parler à tout le monde, mais il y a des démarches à faire. Hein. De toute façon, avec cette lettre, il y aura des démarches juridiques ou des démarches courantes pour vous libérer d'un attachement, de quelque chose qui vous a fait souffrir. Hein. Alors ça peut être bien sûr sur le plan aussi du travail, hein. Ça peut être une fin de contrat, quelque chose à laisser derrière soi. Mais de toute façon, avec la croix qui est là, c'est un carrefour de vie qui est là. Hein. La croix, c'est un carrefour de vie, c'est bien sûr beaucoup de souffrances, mais des souffrances dont il faut se libérer, hein. Des choses à laisser derrière soi. Ça se pourrait aussi que pour certains qui sont assez réceptifs, assez intuitifs et même qui sont dans la médiumnité, un message de l'au-delà avec la lettre là, d'un défunt peut-être qui vient peut-être vous apporter un message avec le messager là, n'oubliez pas ce messager là qui vient vous déposer des réponses à vos questions, hein. Peut-être vous allez recevoir pour certains un message de l'au-delà qui va répondre à vos questions, qui va vous permettre d'avancer, de trouver des solutions. Ça peut parler à certains également. Alors, je vais prendre maintenant, je vais voir un petit peu tout ce qui touche au relationnel, au sentimental pour vous, poissons, ascendant poisson, et qui avait la lune en poisson pour ce mois de janvier. Alors, je vais voir avec le petit Lenormand, je vais commencer à prendre une carte de mon oracle, Love Code, langage des fleurs, et de mon autre oracle, Smoothie Love. Alors, ce sont deux oracles qui sont en vente. Si vous voulez des renseignements, n'hésitez pas à me contacter. Je vais prendre une première carte là. Pour voir un petit peu quel est le premier message sur le plan relationnel, affectif ou sentimental. Et là, on est vraiment dans les sentiments avec le langage des fleurs. Pour vous, poissons, ascendant poisson, qui avait la lune en poisson, pour savoir quel est le message qui vous est donné.
Alors, je prends une carte. Amour tendre, la marguerite. L'amour le plus discret laisse par quelques marques échapper son secret. Voilà, amour tendre pour ce mois de janvier, pour vous, poissons. Hein, amour tendre. Eh bien, on va voir. On va voir si l'amour est tendre. On va voir ce qu'il en est. Et puis, je vais prendre une carte aussi de Smoothie in Love avant de voir un petit peu avec le Normand et puis de revoir un petit peu avec les messages de mes oracles. Alors, poisson ascendant, poisson qui avait la lune en poisson. Poisson ascendant, poisson qui avait la lune en poisson. Poisson ascendant, poisson. Glace, hiver. Alors, c'est complètement à l'opposé, vous allez me dire. Hein. Mais il y a quand même quelque chose qui est en stagnation, quelque chose qui est en hibernation pour être libéré, peut-être pour trouver de la douceur. Alors peut-être, si vous êtes en couple, par exemple, bien peut-être que vous êtes dans une alors c'est l'hiver, bien sûr, aujourd'hui, d'autant plus que je tourne cette vidéo, c'est le premier jour de l'hiver, mais il y a une relation peut-être qui a besoin d'être communiquer hein, sur ses sentiments. Alors avez-vous besoin de communiquer sur vos sentiments, de connaître les sentiments de l'autre? N'oubliez pas le messager, la communication, n'oubliez pas que vous avez besoin de trouver des réponses, qu'on va vous donner des réponses, que si votre cœur est en hiver, eh bien peut-être il pourrait être plus, reçoit plus d'attention, être libéré. Vous pourriez, excusez-moi, hein, voilà, j'ai été arrêtée parce que voilà. Vous pourriez bien peut-être bien connaître quelque chose de moins tendu, de plus doux. Hein. Voilà. Hein, alors, n'oubliez pas, miser sur la communication. Je vais prendre quelques cartes avec le petit, le Normand, une carte à sauter. Le bateau, on est toujours dans l'idée de voyage, d'inconnu, de trouver aussi un point d'ancrage, un point d'attache, hein, mais aussi à l'idée de partir ailleurs, de voir autre chose, ou d'acheminer simplement avec l'autre sur quelque chose de nouveau, justement cette envie d'évasion, de mouvement, de changement, eh bien c'est représenté par les bateaux. Alors je vais prendre une autre carte comme cela. On a un homme là, hein, peut-être cet homme vous parle, est-ce vous ou pensez-vous à un homme, hein, peut-être voir un petit peu comment communiquer avec cette personne. Le soleil, hein, il y a quand même un éclairage, il y a encore l'idée d'énergie. Alors l'homme, c'est aussi la carte du soleil, de l'énergie, hein, voilà, de réchauffement, on pourrait dire, avec la glace et le soleil. Il peut y avoir une communication qui va se faire, hein, quelque chose de qui va s'éclairer, hein, en réponse à vos questions. Hein. Ça parle aussi peut-être pour les célibataires qui ont besoin de connaître des choses, d'appréhender de nouvelles choses, d'aller vers sortir de leur isolement, peut-être avec la glace, et pour les célibataires, sortir d'un hiver amoureux, d'un hiver relationnel, l'ancrage, trouver un point d'attache, un point d'ancrage, ce serait peut-être un peu votre recherche pour vous, poissons. Trouver cette personne-là qui pourrait être aussi quelqu'un qui vous aide. On est avec les souris, surtout ce qui touche au financier également. Alors je vois un petit peu toutes ces cartes là pour voir. Alors le bateau, on l'a dit, c'est le mouvement, le changement, l'envie d'aller explorer de nouveaux territoires, d'aller vers l'inconnu, mais aussi il y a une idée de trouver un point d'ancrage, un point d'attache, de trouver, d'apprendre aussi avec cette connaissance, d'apprendre des choses aussi, hein, peut-être on est encore toujours dans l'idée de communication, d'apprendre, de paroles qui se libèrent, de choses, de secrets peut-être libérés également. Et on a quelque chose qui est en même temps dans l'idée de s'ancrer, mais peut-être quelque chose qui a du mal à se libérer aussi, à entrer en mouvement peut-être, vous voyez. Il y a comme une idée, bien, peut-être, d'arrêt d'attente. Il y a des réponses qui sont en attente, hein, vous voyez, il y a cette idée. Mais il y a une libération qui va se faire avec ce soleil, hein. Soyez prudents quand même, parce que les souris, quand elles sont comme ça, là, qu'elles arrivent comme ça, elles grignotent quand même. Hein. Faites attention, soyez prudents. Soyez prudents, là, avec ces souris. Il y a quand même beaucoup d'énergie, d'action, de mouvement qui va se faire, hein, d'ancrage, là aussi, avec l'homme, qui est le carré, qui est la sécurité. Et il y a des choses qui vont se libérer. Ce livre, ça pourrait être des secrets, ces réponses que vous attendez dans votre relation sentimentale, ou bien même si vous êtes célibataire, il pourrait y avoir des choses qui pourraient être libérées, des paroles libérées, des choses apprises, des secrets libérés. Et cet homme, eh bien, ça pourrait être la rencontre qui pourrait vous permettre justement de trouver un autre chemin dans une période d'attente, peut-être pour les célibataires, de solitude qui dure. Vous pourriez rencontrer une personne sérieuse là, avec laquelle vous pourriez sortir de cet hiver affectif, un amour tendre là, quelqu'un de sérieux qui pourrait vous apporter pour certains, eh bien cet ancrage, avec l'encre là, une période certaine pour une relation
sur le long terme, vous voyez. Quelque chose qui pourrait se concrétiser. Hein. Et pour les couples, il pourrait y avoir peut-être un renouveau également. Mais ça pourrait aussi être pour certains eh bien, la fin d'une relation pour chercher quelque chose de nouveau. Vous avez besoin de tendresse, d'amour, de compassion, de reconnaissance, hein, de vous connaître. Hein. Misez sur la communication. Soyez prudent, hein. Il y a toujours ces souris qui grignotent là. Mais le soleil vient vers vous, là. Il va vous éclairer. Ça pourrait être une très belle rencontre, hein, ce mois de janvier. Le succès dans une relation qui pourrait aller loin, qui pourrait être solide, qui pourrait vous apporter cette reconnaissance. Et ces livres, c'est aussi, on a parlé de réponses à vos questions. Il y a beaucoup d'interrogations, hein, sur vous-même pour savoir si vous pouvez, eh bien, tout simplement, vivre une relation ancrée, solide. Et ces souris, ça pourrait parler d'une traversée du désert. Mais regardez, le soleil est là. Ce serait la fin de cette traversée du désert. Alors, ces livres, eh bien, c'est peut-être une connaissance sur vous-même aussi. Peut-être quelque chose qui va être libéré. Mais vous aurez besoin encore de, je dirais, avec le bateau, là, il y a eu beaucoup d'attentes, mais encore beaucoup d'introspection, hein, de connaissance de vous, de connaissance de l'autre aussi avant de vous engager. Et ne vous engagez pas à la légère, là, il y a quand même l'idée de s'arrêter aussi, de réfléchir, et de réfléchir avec ces livres qui pourraient vous parler, de feuilleter le livre, je dirais, de cette nouvelle relation peut-être, ou le livre de vos relations anciennes, de votre relation ancienne, justement pour ne pas faire les mêmes erreurs, hein. Mais il y a beaucoup de réussites, là, de récompenses là, qui vont vous être données. Alors il y a l'idée avec le bateau d'élargissement d'horizon. Peut-être allez-vous faire la connaissance d'une personne au loin avec le bateau et l'homme, d'une personne qui habite au loin, d'une personne étrangère, entre guillemets. Hein. Vous avez envie aussi de voyager, d'élargir vos horizons sur la découverte de l'autre aussi, de voyager différemment dans une nouvelle relation. De voyager différemment aussi, peut-être déjà dans la relation que vous entretenez, hein. Miser sur la communication. Alors, je vais voir encore une carte peut-être de Love Code. Pour voir si on a un message, hein, qui pourrait nous aider. Belle de jour, passade. L'amour est un enfant capricieux. Alors, j'ai parlé là de rencontrer quelqu'un avec qui vous pourriez aller plus loin, mais il y a aussi peut-être pour arriver à cela bien plusieurs rencontres là, plusieurs aventures à mener pour arriver enfin à cela. Mais peut-être avez-vous déjà vécu beaucoup de passages d'amour d'un jour, pourquoi pas, hein, mais maintenant il y a quelque chose qui se passe, vous voulez aller vers autre chose, hein, vous voulez sortir peut-être de cette solitude. Pour certains, de rencontres multiples, mais qui ne vous conduisent à rien. Hein, vous cherchez un ancrage, une sécurité, vous cherchez un amour solide et doux. Hein. Il y a quand même cette douceur-là que vous cherchez. Vous avez envie, voyez, jalousie, faites attention aux jalousies, peut-être contre vous, avec ces souris qui grignotent. Ça peut être des jalousies contre vous, des personnes qui sont jalouses. Soyez prudent, il y a peut-être de la rivalité aussi. Hein. Vous êtes peut-être dans une rivalité affective, pourquoi pas. Il y a quand même cette envie de bonheur et de félicité, hein, qui est là, qui va vous conduire. De belles choses qui vont arriver. Hein. Travaillez sur votre relation à l'autre, sur votre relation aux autres. Hein, il va y avoir des beaux moments quand même de douceur, hein, des beaux moments à deux de bonheur, là, hein, de douceur. Hein. On va savourer quand même cette rencontre, on va savourer un nouvel avenir avec l'autre, hein, peut-être. On repart sur quelque chose de nouveau. Misez sur la fidélité, hein, voilà. Miser sur la fidélité. Il faut savoir que pour, si vous voulez construire une relation solide, eh bien, ça se construit au jour le jour. Hein. Ça se construit au jour le jour. Hein. Voilà. Miser sur le dévouement, la fidélité, mais aussi de l'autre. Hein. Attendre un dévouement, une fidélité. Hein. Il y a quelque chose quand même de magnifique. Il y a comme une libération. On passe à autre chose.
Il y a du mouvement, du changement. Je vous souhaite le meilleur, vos poissons. Je vous remercie de votre écoute. Je fais des consultations en privé. Si vous le désirez, vous n'avez qu'à me contacter. Mes coordonnées téléphoniques sont dans la vidéo et sous la vidéo. Je vous souhaite de belles fêtes, de belles années, d'années, de fin d'année, de Noël et de Nouvel An. Et puis, nous rentrons aujourd'hui dans l'hiver. Nous sommes le 21 décembre. Je vous souhaite une belle rentrée dans l'hiver, sachant que maintenant, eh bien, nous allons aller vers des jours de plus en plus longs. Et ça, c'est formidable. Merci à tous, au revoir.